Pourquoi la lune est-elle si solitaire? Pourquoi? Elle avait un amant. Tu racontes ça à tes élèves? Non. Il se nommait Kuekuatsheu et il vivait dans le monde des esprits avec elle. Ah, c'est du vécu. Mm-hmm. D'accord. Et toutes les nuits, ensemble, ils sillonnaient les cieux. Mm-hmm. Mais un des autres esprits en éprouvait de la jalousie. Langue fourchue voulait la lune pour lui tout seul. Il a donc dit à Kuekuatsheu que la lune voulait qu'il lui offre des fleurs. Qu'il devait faire le voyage jusqu'à notre monde pour lui cueillir des roses. Mais Kuekuatsheu ignorait que celui qui laisse le monde des esprits derrière lui ne peut pas y revenir. Et toutes les nuits depuis, il contemple le ciel, voit la lune et il hurle son nom. Il ne peut plus la toucher. Wow. Kuekuatsheu, c'est fait U, alors. Kuekuatsheu. Qu'on nomme aussi Wolverine. Sur les toits de Paris.